Je reprends ma place. Ceux qui sont avec moi, c'est 22 combats pour qu'on le dise. Donc, je reprends ma place. Bien-aimé, ça, ce n'est pas un homme qui t'a dit de reprendre. Vous comprenez, hein? C'est commencé, ils savent ce qu'on dit. Parce que nous avons un chapitre prophétique que Dieu nous a donné. Il dit d'abord, secoue tes poussières. Vous vous souvenez au verset, il a dit quoi? Hein? Réveille-toi. Reprends quoi? Ta force. Réveille ta force. Et qu'est-ce qu'il dit encore ensuite? Hein? Quand il réveille ton vêtement, quoi? Des fêtes. Il dit, secoue quoi? Tes poussières. Il dit, ce que tu dois savoir, je te dis, reprends quoi? Ta place. Mais quand Dieu te dit de reprendre ta place, imagine, c'est qu'il a déjà pris de toutes les dispositions. C'est qu'il, même s'il y avait des ennemis à cet endroit, Dieu te dit, reprends, c'est qu'il sait déjà, il a pris ses dispositions. Donc, il ne t'envoie pas en vain, il t'envoie avec une raison. Il sait qu'il a tout déjà quoi préparer. De même, lorsqu'il a dit aux enfants d'Israël, il leur a dit que je vous donne Cana. Mais la Bible nous montre que Cana était habité par des géants. Mais Dieu dit, je vous donne quoi? Cana. Quand Dieu donne un endroit, c'est qu'il a pris ses dispositions. Ils arrivent devant Jéricho. Les gens de Jéricho, ils ont barricadé la ville. Personne ne pouvait entrer, personne ne pouvait quoi? Sortir. Mais puisque Dieu les a dit que je vous donne Cana, Dieu a pris ses dispositions. Quelqu'un attend aujourd'hui? Ils arrivent devant le mur de Jéricho, la muraille de Jéricho. Ils trouvent un ange en train de les attendre avec une épée parce que Dieu a pris ses dispositions. Dieu savait que non, cette muraille ne peut pas tomber avec des coups, ni avec des lances, ni avec des bulldozers. Mais ça va tomber avec des cris. Alors il faut que je prenne mes dispositions, qu'un ange vous attende devant déjà. Et quand l'ange était déjà là, il se pose la question, il dit, vous allez tourner cette fois. Au septième fois, vous allez crier sept fois. Et le muraille de Jéricho va faire quoi? Va tomber. Bien aimé, sans armes, une muraille tombe. C'est pour vous dire quoi? Quand Dieu te dit, reprends ta place, il a pris quoi? Ses dispositions. Personne ne comprend ce que je dis. Bien aimé, quand Dieu te dit, reprends ta place, c'est qu'il a déjà compris que non, il a déjà arrangé le terrain pour que toi tu puisses régner à cet endroit-là. Bien aimé, même si, ne pose pas de questions. Le problème, ce n'est pas comment ça va arriver. Le problème, Dieu m'a dit de reprendre quoi? Ma place. Puisqu'il m'a dit, c'est qu'il sait ce qu'il a arrangé déjà pour moi. Je vais aller, je vais avancer. Bien aimé, avance. Il a donné Cana, mais la mer rouge était devant, n'est-ce pas? Mais comme Dieu avait dit que vous allez à la terre promise, il a pris ses dispositions, la mer rouge va se séparer. Quelqu'un attend aujourd'hui. Je dis à quelqu'un, ta mer rouge va se séparer parce que tu as pris quoi? Oh non, est-ce qu'il y a des chrétiens qui comprennent? Bien aimé, soyez ici avec l'esprit. Vous êtes pressés à sortir à la fin, mais les choses comprennent, vous n'êtes pas là. Sois ici d'abord. Bien aimé, je dis quoi? Quand Dieu te dit va, mais devant toi il y a des murs, où il y a des soldats, où il y a la mer, sache-le que tu n'as pas à avoir peur ou à te poser la question comment je vais traverser cet océan. Parce que Dieu a déjà pris quoi? C'est dit. Parce qu'il sait que toi, il t'a dit d'aller de l'autre côté. Il a pris ses dits. C'est que quand tu arriveras devant la mer ou l'océan va te faire quoi? Va donner la route parce que tu as pris quoi? C'est dit. Bien aimé, est-ce que tu comprends ce que je dis? Ah, il élève Josué. Josué commence à pleurer. Il dit, mais non, Dieu. Moïse est mort. Dieu dit, ah, Josué, arrête de pleurer. Mon serviteur Moïse est déjà qui? Mort. C'est toi que j'ai donné l'ordre de faire entrer ce peuple de la terre quoi? Promise. Tu me donnes l'ordre d'aller de la terre promise, mais devant moi, il y a le Jourdain. C'est que quand Dieu le dit, il sait qu'il a pris ses listes. Toi, Josué, accepte simplement d'avancer et tu verras les Jourdains vont se séparer. Je dis à quelqu'un, cette année, les choses vont se séparer pour toi parce que Dieu a pris ses dispositions cette année. Des lits lèvent à te lever, à ouvrir les portes, à te donner, pleiner le territoire et à mettre tes ennemis comme tes marches. Ah, c'est quelqu'un qui va passer de l'église en train de vivre. Ah, que le reste de cette année, tu comprends, c'est que je suis en train de vivre. Quand Dieu dit que cette année tu auras un enfant, bien aimé, même si tu n'as pas de trompe, il a pris déjà ses dispositions. Bien aimé, le problème ce n'est pas que je n'ai pas de trompe, mais Dieu a pris déjà ses dispositions. Il m'a dit, cette année j'aurai un enfant. Il regarde Marie, oh, mais moi je suis déjà vieille. Le problème ce n'est pas l'âge. Dieu a pris déjà ses dispositions. Même si tu es à la ménopause, je t'ai dit, cette année tu auras un enfant. Quelqu'un entend ce que je dis? Aïe, aïe, aïe. Quand Dieu parle, bien aimé, il a déjà pris ses dispositions. Bien aimé, je voudrais te dire, cette année, bien aimé, tu n'as pas te poser de questions. Tu as déjà pris ses dispositions. Est-ce que tu ne peux pas répéter fort? Tu as pris ses dispositions. Ah,
Sarah n'a pas compris, bien-aimé, à 90 ans, bien-aimé. Une femme commence à voir papa, papa, papa et Abraham, je commence à voir de la nausée. Mais à cet âge, comment tu as de la nausée? Parce que tu as pris ses dispositions. Bien-aimé, je dis, Dieu prend tes dispositions par rapport à ta santé. Il prend des dispositions par rapport à ta situation administrative. Il prend des dispositions par rapport, bien-aimé, à ta situation familiale. Ne te pose pas de questions. Il a dit, il a pris des dispositions. Aïe, 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 quelqu'un peut penser que je suis en train de prêcher à ce lieu. Est-ce que tu peux soulever encore un peu le plus fort? Dieu a pris ses dispositions. Bien-aimé, le problème, ce n'est pas ce que je vois, mais le problème, c'est ce que Dieu m'a dit, va aller prendre ta place. Je veux que cette année, quelqu'un n'agisse pas par rapport à ce qu'il voit, mais de ce que Dieu lui a dit, quelqu'un t'a aujourd'hui. A dit à moi, Dieu m'a dit quelque chose. Ah, il m'a dit de me prendre ma place. C'est qu'il a pris ses dispositions. Il a pris ses dispositions. Quand il te demande, oh, toi, qu'est-ce que tu veux faire? Tu dis, tu as pris déjà ses dispositions. Bien-aimé, il y avait beaucoup de faux prophètes de Baal et d'Astarté contre Élie. Dieu dit à Élie, tu vas aller. Tu vas maintenant les défier sur le mont de Carmel. Quand ils arrivent, tout le monde s'étonnait. Un seul homme arrive. Parce que lui, il savait, tu as pris ses dispositions. C'est ainsi pourquoi, parce que Dieu a dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ce sont des dispositions. Toutes ces paroles, ce sont des dispositions que Dieu a prises pour nous. Parce que Dieu sait, bien-aimé, les gens nous feront la guerre, mais il nous promet, ils ne vous vaincront pas. Ah, Élie va, Élie monte sur le mont de Carmel. Bien-aimé, il monte sur la montagne tout seul. Malgré qu'il y avait plusieurs contre lui, il ne tremblait pas. Parce qu'il savait que Dieu avait pris ses dispositions. Chadrach et Meshach Abednego n'ont pas voulu se prosterner devant les voix. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils savaient dans le fait que Dieu a pris ses dispositions. Aïe, aïe, aïe. Il rentre dans le fait que l'on est. Il sait que l'Éternel a dit, je ne vous abandonnerai pas. Je ne vous laisserai pas jamais. Chadrach et Meshach a dit, même dans le fait, cette parole est efficace. Il ne m'abandonnera pas. Il ne te laissera jamais. Ils sont rentrés dans les faits, le fait d'en arriver dans les faits, car Dieu a pris ses dispositions. Quel que soit le problème qui va t'arriver, il a déjà pris ses dispositions. Je vois un homme qu'on appelle Daniel, bien-aimé. On le met, bien-aimé, dans un trou de lion. On a laissé les lions sans manger. La fureur de lion. Vous connaissez un lion, comment il rugit. Quand il rugit, la voix simplement d'un lion, bien-aimé, ça peut te faire mourir. Devant un lion, il te regarde, il te fait la rue. Bien-aimé, quand je vois les frères mémoires, je vois les frères mémoires, ça rend. Je suis déjà mort, je préfère déjà mourir avant que je vois comment tu me dévores. Mais bien-aimé, cet homme était dedans. Il est rentré à l'éternel, à l'intérieur, parce qu'il sait quoi? Il a pris ses dispositions. S'il me met au milieu des lions, parce qu'il sait, lui, il est le lion de la tribu, quoi? Bien-aimé, je fonds. Il n'y a aucune situation qui peut t'embarrasser. Je m'a dit, mon oreille avait entendu parler de toi. Mais maintenant, mon oreille voit ta vie. Je proclame cette année, bien-aimé, tu vas voir des choses que la Bible a dit. Tu vas voir des choses que tu as parlé. Tu vas voir des choses que tu ne vois pas. Tu vas voir des choses que les gens ne font pas. Tu vas vivre des choses. Hey, quelqu'un m'attend. Hey, a dit avec moi, aïe, aïe, aïe. Je vais t'attendre très fort. Aïe, aïe, aïe. Bien-aimé, on a un grand frère capable de tout. Capable de tout. Il dit à ses disciples, il dit, allez de l'autre côté de la rive. Et je vais vous rejoindre. Moi, je continue à faire ce que j'ai à faire. Mais dis-moi, maître, comment tu vas venir? Il dit, allez de l'autre côté de la rive. Parce qu'il sait, il a pris ses dispositions. Il marchera sur les eaux, bien-aimé. Je t'informe, bien-aimé, l'eau, c'est la parole. Mais quelle parole? Ça peut être aussi des mauvaises paroles des gens. Bien-aimé, quand on dit la parole, on n'a pas précisé la parole de qui. L'eau, ça peut être la parole aussi des hommes. Ça peut être la parole des malédictions. Mais quand Dieu venait, vous savez ce que les eaux ont fait aux apôtres. À un moment, il y avait la tempête, n'est-ce pas?
c'est que l'eau là n'était pas la bénédiction, était un problème. Quelqu'un entend aujourd'hui. La tempête, c'est le problème. Mais cet homme a dit, allez, je vais vous suivre. Pourquoi? Parce qu'il savait que lui, il peut marcher sur la parole. Il peut marcher sur les problèmes. Il peut marcher sur l'eau. Quand il marche sur l'eau, c'est qu'il marche sur toutes les paroles des gens qui ont parlé contre toi. Bien aimé, s'il y a des gens qui ont parlé contre toi, s'il y a des gens à 5% qui parlent contre toi, ceux qui ont parlé l'année coulée, ceux qui ont parlé l'année dernière, ceux qui ont parlé contre toi il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y a 4 ans, il y a 5 ans, il y a 6 ans, il y a 7 ans, il y a 9 ans. Bien aimé, avant que tu sois né, il y a un homme qui marche au-dessus de ses paroles. Bien aimé, quand il marche au-dessus de la parole, c'est parce que lui, il est la véritable toi, parole. Aïe, 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 quelqu'un ne comprend pas. Il a pris ses livres. Quand tu me regardes, tu peux dire, ah, Longwakuna, mais Dieu a pris déjà les dispositions. Bien aimé, ou pas Dieu a pris des dispositions. La Bible dit quoi? Avant même que tu sois né, les choses glorieuses ont été dites sur toi. Dieu a prononcé des paroles de gloire. Ça, c'est Psaume qui parle de cela. Psaume dit quoi? Les choses glorieuses ont été prononcées sur toi. Bien aimé, Dieu commence à prononcer des choses. Il te regarde et dit, mon fils, je vais t'envoyer sur la terre. Tu seras la tête et non quoi? Tu seras en haut et non quoi? Nul ne tiendra devant toi tous les jours, quoi, de ta vie. Il dit, tout lieu foulera la plante de tes pieds, je te donne quoi? Ah, il dit, si l'on t'attaque, cela ne vient pas de moi, mais quiconque t'attaquera tombera à cause de qui? De toi. Il a dit, quand l'adversaire se lèvera comme un fleuve, je te dis, l'esprit de l'éternel le mettra quoi? En feu. Il dit, il viendra d'un seul chemin, mais il s'enfuira de combien? De 6. Il a dit que 10 000 tombent à gauche et 12 000 à droite, mais rien n'est atteindre. Aïe, aïe, aïe. Ah, il a prononcé, tu sais, même quand tu marcheras dans la vallée de l'ombre de la mort, tu ne trouveras aucun mal, car ma houlette et mon bâton te rassure. Il dit, je vois d'une ta tête, mais ta coupe quoi? Déborde. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ah, il me fait me poser vers le verre quoi? Par tirage. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Aïe, 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 aïe. Ah, le bonheur. Bien aimé, il a dit, le bonheur. La grâce. Bien aimé, quand les gens ont besoin de parler, parce que la grâce, c'est ma campagne. Elle m'accompagne. Elle marche avec moi. Et bien, mais quand quelqu'un parle du bonheur, le bonheur que tu cherches, viens me chercher, je vais te donner le goût. Parce que le bonheur, c'est mon copain. La Bible dit que le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Il a pris ses dispositions pour ma paix. Au nom de... Toi, c'est qui pour enlever mon bonheur? Toi, c'est qui pour enlever mon calme? Toi, c'est qui pour enlever ma paix? Un homme a pris des dispositions. Il a mis le bonheur et la grâce m'accompagneront tout. Regarde ton voisin, dis-lui, il a pris ses dispositions. Aïe, aïe, aïe. Ça ne sert à rien d'être énervé contre moi. Il a pris quoi? Laisse-moi arranger mon père de lunettes avec fierté parce qu'il a pris ses dispos. Bien aimé, un peu de fierté là où tu es. Parce que Dieu a pris ses dispos. Quelqu'un te demande pourquoi tu es comme ça, dis-lui parce qu'il a pris ses dispositions. Bien aimé, un homme t'abandonne, tu dis, il a pris ses dispositions. Amen. Il te dit, ah, je savais qu'il y avait quelqu'un. Tu dis, alors pourquoi depuis longtemps il savait qu'il agissait comme ça? Parce qu'il a pris ses dispositions. Aïe, Allah, on va voir comment tu vas souffrir. Tu dis, non, il a pris ses dispositions. Parce qu'il sait si on t'abandonne, mais lui, il ne t'abandonne pas. Aïe, aïe, aïe. Bien aimé, vous savez, on a mis un homme, ses propres soeurs l'ont mis dans le tombeau. Ils ont dit à Jésus, ils sont déjà. Bien aimé, ils n'ont pas voulu supporter l'odeur. Bien aimé. Mais les jours que les problèmes vont gâter, mon Dieu, ils ne voudront plus de toi. Quelqu'un attend aujourd'hui. D'autres t'appellent, hé hey, papa, d'autres t'appellent ma soeur, d'autres t'appellent tantine, d'autres t'appellent tonton, d'autres t'appellent mon ami, mon frère, parce que tu es bien. Les jours que les choses vont gâter, ces gens ne vont plus te supporter. Quelqu'un attend aujourd'hui. Mais il a pris ses dispositions. Aïe, aïe, aïe. Personne ne comprend que le mec, tu a pris ses dispositions. Laisse-moi mettre encore paire de lunettes. Parce qu'il a pris ses dispositions. Ah, laisse-moi me nettoyer un peu de la chaleur là, parce qu'il a pris ses dispositions. Moi, je n'ai pas besoin de voir ta joie, mais j'ai besoin de te dire simplement, il a pris ses dispositions. Bien aimé, ce n'est pas ton visage, ce n'est pas ton cœur qui fait tourner les dispositions de Dieu. Quand Dieu prend ses dispositions, il ne demande pas les conseils des gens. Bien aimé, si les dispositions de Dieu se votaient, je pense que des personnes comme nous, personne n'allait voter ces dispositions.
Ah, lui, là, le pasteur, là, ah, on n'aime pas. Il regarde comment il est. Il parle des choses. Il se croit pour qui? Dieu a dit, ici, c'est moi, il n'y a pas l'élection. Je vote ce que je veux. Et la Bible dit, je fais grâce de qui je fais grâce. Hein, vous comprenez? Ah, j'aime cet homme. Dis avec moi, j'aime cet homme. Il a dit, je fais grâce de qui je fais qui? Grâce. Bien aimé, c'est pendant que tu n'es pas content de cette personne, Dieu peut le faire grâce. Dieu bénit sa mère. Ah, il a pris ses dispositions. Bien aimé, lève-toi, vois des personnes, dis-lui, il a pris ses dispositions. Dieu est compliqué. Je suis venu avec le message de l'enfer, mais Dieu commence à me parler sur les dispositions. Je dis à Dieu, bon, je me laisse envoler avec toi. Bien aimé, nous sommes des aigles. Quand le vent t'amène, il faut laisser partir. Parce que le vent que je parle, c'est le roi. Que je parle, le roi, c'est, bien aimé, c'est l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, c'est de l'air, c'est du vent. Vous savez, quand Dieu parle, quand un homme parle, il dégage aussi le vent, n'est-ce pas? Bien aimé, s'il n'y a pas l'air, ta voix ne va pas arriver là-bas. C'est que quand Dieu parle, la parole de Dieu dégage aussi l'esprit. Quelqu'un entend aujourd'hui? Et c'est ce vent qui nous emporte, bien aimé. Du moment où, bien aimé, tu es devenu affaibli, fatigué, tu ne sais pas où est-ce qu'il faut aller quand Dieu parle et son vent t'emporte à la destinée. Dis avec moi, je me laisse aller. Alléluia. Bien aimé, déploie tes ailes comme de l'aigle et je me laisse aller. Bien aimé, vous savez, l'aigle ne cherche pas forcément quand il y a des vents. Il ne se bat pas avec le vent, mais il se laisse aller. Bien aimé, nous sommes des aiglons. Quand Dieu parle, je n'ai pas besoin. C'est alors qu'un homme dans la Bible qu'on appelle Pierre, il a dit, nous avons péché toute la nuit, mais on n'a rien attrapé. Mais sur ta parole, je jetterai quoi? Les filets. Bien aimé, il a laissé ses ailes se déployer. Il a dit, sur ta parole. Alors, je connais aussi un homme dans l'ancienne alliance qu'on appelle Ézéchiel. Et on dit à Ézéchiel, est-ce que ces eaux pourront-ils revivre? Il dit, non Seigneur, toi tu laissais. Si toi tu laissais, je me laisse quoi? Aller. Quelqu'un attend aujourd'hui. Il regarde Ézéchiel, il dit, fils l'homme, prophétise ici ce soir. Il se laisse aller, dis avec moi, je me laisse aller par la parole de Dieu. Le problème, ce n'est pas ce que je vois, mais le problème, c'est ce qu'il a dit. Je ne fais pas ce que je vois, je ne juge pas ce que je vois. Je ne réalité devant ma face, mais la vérité dans mon cœur. Quelqu'un attend aujourd'hui. Je préfère écouter la voix de mon cœur que ce que je vois. Quelqu'un attend aujourd'hui. Dis à ton voisin, ce que tu vois, ce n'est pas ce que tu attends dans ton cœur. Bien aimé, on dit toujours à quelqu'un, écoute la voix de ton cœur, pas ce que tu vois. Quelqu'un attend aujourd'hui. Ce que nous voyons est une réalité, mais ce que nous attendons dans notre cœur, c'est la vérité. Et j'aime écouter la vérité. La réalité nous dit que non, bien aimé, une femme de 90 ans ne peut plus concevoir. Mais la vérité nous montre que même une femme de 90 ans peut avoir des enfants. Bien aimé, la réalité nous montre qu'un cadavre pourri déjà dans la tombe ne peut plus revenir quoi dans la vie, parce qu'il est décomposé. Mais la vérité me montre qu'un homme a ressuscité une personne de 4 jours pourrie au nom de Lazare. Bien aimé, je crois à ce que je sens, je crois à ce que j'ai entendu de Dieu, mais je ne crois pas à ce que je vois. Quelqu'un attend aujourd'hui. C'est ainsi que la Bible dit que non, l'ombre n'est pas une réalité. L'ombre n'est pas une réalité. Quelqu'un attend aujourd'hui, l'ombre n'est pas une réalité. C'est ainsi que David disait, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, parce que l'ombre n'est pas une réalité. La réalité, c'est ce que Dieu dit, c'est ce que je sens. Mais je te dis que ce que tu vis dans ta vie n'est que l'ombre, n'est pas la réalité. Dieu a un plan véritable pour toi. Dieu a une image pour toi, une photo de ta destinée. Bien-aimé, quand tu vas chez Dieu, il y a un album qui parle de ta vie. Quelqu'un attend aujourd'hui. Ce ne sont pas les albums que ton père, ta mère t'a montré. Regarde, quand tu grandissais, tu mettais la couche, regarde, tu faisais pipi. Mais quand Dieu me montre mon album, il ne voit pas David dans la forêt, mais il voit David comme un roi. Quelqu'un attend aujourd'hui. Bien-aimé, dans l'album de Dieu, David, c'est un roi, mais dans l'album des hommes, David, c'est un homme qui reste dans la forêt en train de paître les brebis. Est-ce que vous comprenez cela? Bien-aimé, j'aimerais
te dire que non, dans l'album de Dieu, tu n'es pas ce que les gens disent ici. Prends-moi photo, dis ce que je suis, dis ce que tu penses. Parce que tu penses que ça, c'est mon album. Mon album se cache quelque part pendant que tu me vois ce que je suis. Mais Dieu me voit quelqu'un de grand. C'est ce qu'il a dit quoi? Tu partageras ton bidon avec les puissants et tu seras assis parmi les grands. Dieu prophétise parce qu'il sait, il a pris ses dispos. Mais je vais t'attendre très fort, il a pris ses dispos. Mais quand je transpire comme ça, parce que mon esprit est en train de sentir la chaleur de l'esprit, je sens que le Seigneur veut faire quelque chose de formidable. Quelqu'un attend aujourd'hui. J'ai une folie, bien aimé. Ces derniers temps, je passe ma présence où? Pas à côté de ma femme. Je passe la présence à côté de mon Dieu. Quelqu'un comprend, bien aimé? Ah, toi, tu aimes la chaleur pendant l'hiver à serrer avec ta femme. Moi, je me sers maintenant avec Dieu. La Bible dit deux valent mieux que un, parce que l'autre peut chauffer. Qui m'a chauffé cette fois-ci? C'est Jésus. Quelqu'un attend. Le chauffage de Jésus, ça donne la pression d'onction. C'est ainsi que Jésus comprenait la nuit, le soir, il montait sur la montagne pour rester à côté de son Père. Parce que c'est le chauffage de Dieu, ça bouscule, bien-aimé. Ça donne l'assurance et l'espoir, même là où on ne peut plus croire, bien-aimé. C'est ainsi que la Bible dit, le juste vivra par quoi? La foi. Pourquoi Dieu dit par la foi? Il n'a pas dit par les récépissés qu'on t'a donné à la préfecture ou quand de 2 ans, de 10 ans, de 20 ans ou la nationalité française. Il n'a pas dit que le bien-aimé, le juste vivra, bien-aimé, lorsqu'il aura son appartement et son permis français. Non. Il a dit il vivra simplement par la foi. La foi est une assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Bien-aimé, la foi, c'est une force attirante des choses invisibles pour les rendre palpables, les rendre visibles. Bien-aimé, la foi est une force d'attraction. Quelqu'un comprend ce que je dis? La foi, c'est ce qui réalise ce que les gens ne peuvent jamais voir. Alléluia. La foi, c'est le fait de risquer à quelque chose que les gens disent non, c'est impossible, mais tu rends l'impossible possible. Bien-aimé, bien-aimé, je veux que tu vives dans cette dimension de quoi? Parce que Dieu a déjà pris ses dispositions. Ce n'est pas à toi de matérialiser les choses. Quelqu'un a pris les dispositions, il te demande, laisse-toi aller par la parole. Quelqu'un attend aujourd'hui. Laisse-toi simplement aller par la parole. Parce qu'un homme a pris ses dispositions. Et je marche avec cette dimension. C'est que, bien aimé, les hommes de foi ne sont pas comprises. Quand Jésus a pris la mer avec les pieds, les gens ne l'ont pas compris, même ceux qui dormaient avec lui comme des gens. Ils ont dit Belzéboul, parce qu'on ne peut pas comprendre un homme de foi. Un homme de foi, bien aimé, il ne vit pas la réalité des hommes. Il vit dans une dimension, bien aimé, immatérielle. Il croit aux choses que les yeux des hommes ne peuvent jamais voir. Car la foi, c'est les yeux invisibles. Bien aimé, quand tu as la foi, tu as les yeux invisibles. Quand tu n'as pas la foi, c'est que tu es aveugle. C'est ce que la Bible dit que non, un aveugle qui conduit un autre aveugle. Mais dans la réalité, tu vois l'homme et voit, mais Dieu l'appelle aveugle. Parce qu'il n'a pas des yeux qui voient l'invisible. Bien aimé, je veux que tu aies les yeux qui voient l'invisible. Quand tu auras ces yeux, bien aimé, tu n'as pas à t'appuyer aux gens, tu vas t'appuyer à Dieu. C'est ainsi que Dieu dit malheur à l'homme qui se confie à l'homme. Pourquoi il sait que les hommes se confient? Parce qu'ils pensent que c'est leur équilibre. Mais Dieu sait que l'équilibre, c'est moi. Et les yeux spirituels, bien aimé. Vois, parce que ton Dieu là a pris des dispositions pour ta destinée. Il a pris des dispositions. Il sait ce qu'il va faire. Mais pour cette église, il a pris des dispositions. Ce qui me comprend. Il est comme ça. Dieu, bien aimé, parce que je sais qu'il y a un homme qui a pris ses dispositions. Je me laisse aller dans sa parole. Bien aimé, laisse-toi comme de l'eau, bien aimé. Laisse-toi couler. Bien aimé, l'eau, quand on l'empêche de passer, un jour, ça va faire tomber là où vous avez bloqué. Bien aimé. Et alors, laisse-toi aussi comme du vent, bien aimé. Le vent, personne ne peut arrêter le vent, bien aimé. Nous sommes là, il y a le vent, bien aimé. Ferme toutes les portes, bloque le vent. Amène-moi le vent avec ta main. Je vous défie ici, je vais mettre 100 euros ici. Qui veut prendre les 100 euros, amène-moi le vent dans ta main. 100 euros, ça est là. Viens là, amène-moi le vent. Dis, voilà le vent que j'ai bloqué. Dis à ton voisin, je suis du vent. On ne peut pas me bloquer. Quelqu'un, bien aimé, dis-le avec assurance. Dis, je suis un vent qu'on ne peut pas bloquer. Ah, bien aimé, souris un peu, dit. Bien aimé, vous savez qu'un homme rit dans cette façon, c'est qu'il se moque de ce que toi tu fais. C'est qu'il te dit simplement, tu n'es rien, tu es petit. Tu es petit à ce que tu penses faire là. Alléluia! Amen. Alléluia! Amen. Bien aimé, ton amen là est cochocoré, mais je voudrais que tu dises un amen de quelqu'un qui a des vitamines. Alléluia! Amen. Yes, Lord! Bien aimé, ça, c'est quelque chose que Dieu lui-même fait parler dans ma bouche là. Bien aimé, je suis venu avec l'enfer et la liste. Vous savez, je vais faire la liste. Ah, bien aimé, j'allais citer ton nom. Alléluia. Mais Dieu me dit non,
j'ai pris des dispositions pour eux. Laisse-moi les laisser amener dans les dispositions. Quelqu'un attend aujourd'hui. Alléluia! Dis à ton voisin, chance, hein, il a pris des dispositions. L'affaire aujourd'hui est foutue. Bien aimé, chance. Aïe, aïe, aïe. J'aime ces grands frères à moi là. Quand je dis yaya, vous comprenez, c'est les grands frères, n'est-ce pas? Ah, mon Seigneur, merci de retourner. J'ai eu personne pour te prendre. Je suis erré. En tout cas, j'avais des soucis que tu partais comme ça. Là, tu es retourné, ça me fait du bien. Alléluia. Bien-aimé, d'autres faisaient l'effort. Je peux porter ça. Comment? Bien-aimé, tu feras tout, tu ne pourras pas porter le vent. Alors, bien-aimé, tu es le vent. Tu souffles de gauche et de droite, personne ne peut. Je vais te le dire quelque chose rapidement. Prenons-moi la Bible. Nous sommes dans le livre de Jean chapitre 3. Comme c'est une parole qui est venue de Dieu, je me laisse aller. Quelqu'un m'attend aujourd'hui. Bien-aimé, prends-moi à partir du verset 5 et lis-moi jusqu'au verset 8. Quelqu'un? Oui? Rabbi n'est pas prêt aujourd'hui. On y va? Amen. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Aïe, aïe, aïe. Ceux qui est né de la vous savez, ceux qui suivent l'émission ne comprennent pas le thème qui est là-bas, c'est autre chose. Bien-aimés, vous qui nous suivez, nous sommes désolés de ce que vous lisez. Ça, c'est, vous voyez la réalité, mais il fallait écouter la voix de cœur. La réalité, c'est le thème qui est là-bas, l'affaire. Mais la vérité, c'est ce qui était dans mon cœur qui sort maintenant. Et maintenant, ils vont se poser la question, il est hors sujet. Non, c'est vous qui êtes hors sujet par rapport à ce que vous suivez. Nous sommes dans les sujets. Nous, notre thème, il a pris ses dispositions. Vous, là-bas, c'est l'affaire. Donc, suivez l'affaire là-bas. Mais nous, c'est Dieu a pris ses dispositions. Alors, quand il regarde, il dit, mais le thème, c'est, la, le, quoi? C'est l'enfer. Mais ici, c'est les dispositions. Alors, dis que les gens qui nous suivent là-bas, mettez dans vos commentaires, Dieu a pris ses dispositions, nouveau thème. Okay. Allez, oubliez ce qui est marqué en grand caractère sur votre vidéo. Vous le mettez de côté. Alors, réponds à la lecture, fille. Je veux dire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Jésus répondit. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Aïe, aïe, aïe. Ce qui est né de la chair est chair. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Oh. Ne te donne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut. Le vent souffle où quoi? Il veut. Continue, fille. Et tu en entends le bruit. Tu entends le bruit du vent. Mais tu ne sais d'où il vient. Ni où il va. Il en est ainsi de tout homme. Il en est ainsi de tout homme. Qui est né de l'esprit. Qui est né de l'esprit. Nous sommes devant. Nicodème lui dit. Merci, 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 fille. Est-ce qu'on peut acclamer cela? Non, bien aimé. Je ne sais pas si tu as les rhumatismes des mains. Donc, je ne sais pas. Acclame-moi ça bien. Aïe, aïe, aïe. Mais je ne comprends pas. Est-ce que les Françaises ne savent pas acclamer comment? Parce que ça rougit les mains, quoi. Alors, ma soeur française, acclame un peu. Je vais te voir rougir un peu. Mais tu n'as pas rougi, là. Alors, acclame jusqu'au au point que tu vas rougir un peu. Ça va faire du bien. Commence à rougir. Ah. Tu n'as pas vu que moi, je noircis, là. Moi, je noircis en acclamant. Alléluia. Amen. Quelqu'un disait un noir, tu dis? Tu as rougi, j'ai dit non, il a noirci. Qu'est-ce qu'on met, il peut rougir, lui, il est noir comme ça. Alléluia. Mais ça, on peut dire à nos sœurs comme de Virginie, hein, qui peuvent rougir, mais nous, on noircit. C'est comme je disais à Lido, Lido, tu as rougi, il va rougir lui. Au contraire, il va noircir encore, Lido. Que le Seigneur nous bénisse. Bien-aimé, j'aime le Saint-Évangile parce que Dieu, quand il donne quelque chose, il a des versets à l'appui avec ses contenus. Nous ne sommes pas hors. C'est vrai pourquoi je dis, dans la vie, il ne faut pas écouter plus ce que tu vois.
écoute la voix de ton cœur. La vérité se trouve là. Parce que ton Dieu, c'est le seul endroit qu'il a aimé habiter. Il a refusé même les bâtiments créés par les mains des hommes pour s'y installer. Mais il a préféré ton cœur. Quel est le cœur de l'homme plus qu'un bâtiment embelli avec des beaux rideaux comme ça? Mais Dieu préfère ton cœur. Ce que je dis, le cœur de l'homme est un bâtiment extraordinaire. Amen. Et Dieu a préféré venir ici. Bien-aimé, Salomon a construit un temple avec de l'or. Mais Dieu dit, j'ai préféré habiter dans le cœur de l'homme. Alors, c'est que dans mon cœur, c'est là où la vérité se parle le plus. Cet homme, la vérité, vous savez, c'est un homme, n'est-ce pas? Cet homme a des bras, cet homme a marché sur la terre, et cet homme vit éternellement, son nom appelle Jésus. Et il est là, et c'est ainsi que quand il nous parle du cœur, nous attendons les échos de sa voix, nous comprenons qu'il y a une assurance. Le problème avec toi, tu as beaucoup de doutes parce que tu refuses d'écouter ce qu'il parle dans ton cœur, tu regardes plus ce que tu vois des hommes et ce que tu attends des hommes. Bien-aimé, aucun homme ne pourra te dire une parole qui va consoler complètement ta destinée. C'est la raison pour laquelle il n'a pas dit aux apôtres, je vais vous laisser mon cousin, je vais vous laisser mes petits frères. Il a dit, je vous enverrai un consolateur. Amen. Pourquoi? Parce qu'il sait que l'homme n'a pas une consolation importante. Bien-aimé, des fois, on s'accroche avec un chéri, on croit que non, oh, ce dernier temps, il me fait libérer, il te console. Non. Bien-aimé, il ne te console pas, il te soulage. Mais le soulagement n'est pas une consolation. Parce qu'à un moment, tu verras que tu n'es plus soulagé et tu vas regretter. Quelqu'un attend aujourd'hui. Bien-aimé, je veux qu'on soit consolé et non soulagé. Quelqu'un attend ce que j'explique. Est-ce que je parle français? Bien-aimé, avec mon petit français, essaie de comprendre ce que je dis. Je sais que toi, tu parles mieux, mais comprends quand même des mots que j'essaie de formuler avec mon petit français. Quelqu'un attend aujourd'hui. Aïe, 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 je souffre des maladies francophones là. Vous voyez, je ne parle pas trop lingala. Hein, parce que quand je prends ces dispositions, ça ne passe pas bien lingala. Ça passe bien en français. Alléluia. Aïe, 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 alléluia. Alléluia. Il envoie un consolateur. Ce consolateur, c'est l'Esprit de Dieu, qu'on appelle le paraclétos, le paraclet, bien-aimé, qu'on appelle l'aide, bien-aimé, qu'on appelle le défenseur. Il est là pour défendre, il est là pour nous aider, il est là pour nous conduire dans toute la vérité, parce que le défenseur, le consolateur connaît la direction de ta bénédiction. Bien-aimé, cependant que les gens disent, c'est fini pour toi, Dieu voit, ce n'est que le commencement. Je connais un homme, du moment où il a perdu les brebis de son père, son cœur commençait à battre, il commençait à se plaigner, commençait à plaire les brebis de son père. Dieu avait pris les dispositions pour le faire monter sur le trône. Il s'appelait Saul, les bien-aimés. Il y a des choses qu'on perd pour retrouver le trône. Quelqu'un attend aujourd'hui. Aïe, aïe, personne ne comprend ce que je dis. Ah, bien-aimés, on perd d'autres personnes pour retrouver le trône. Je peux perdre une femme pour trouver le trône, la femme qui va te rendre heureuse. Tu peux perdre un homme, bien-aimé, pour trouver le trône. Bien-aimé, l'homme là qui était avec toi, tu pensais c'était du bien, mais tu le perds pour trouver le trône. Bien-aimé, le trône est plus puissant que les brebis du père de qui? De Saul, de Kish. Kish était le père de Saul. Mais or, quand quelqu'un devient au trône, il peut t'acheter des brebis plus que ce que tu avais. Est-ce que vous comprenez cela? Bien-aimé, nous perdons d'autres personnes dans la vie pour qu'on trouve le trône. Quelqu'un me dise amen. Bien-aimé, il y a des choses dans la vie des fois, il ne faut pas regretter. Dieu a mis les yeux devant. Quand les gens restent derrière, bien-aimé, ne tourne pas ta tête, tu vas te cogner en marchant. Quelqu'un attend aujourd'hui. Laisse ta tête devant. Avance, bien-aimé. Ta direction est devant. Bien-aimé, nous allons, chacun va là où il doit aller. Je ne dois pas tourner. Oh, bien-aimé, je vis dans le désert. Que les enfants d'Israël savaient, la direction était Cana. Tous ceux qui mouraient, personne n'est resté pour faire mausolée, pour rester là. Tout le monde avançait. Quelqu'un attendait aujourd'hui. Parce qu'il sait que nous ne sommes pas les habitants du désert. Nous sommes des passagers du désert pour aller dans la destination. Quelqu'un attend aujourd'hui. Bien-aimé, quand on traverse le désert, il y a des choses qui se passent. Il y a la saleté qui vient à toi, bien-aimé. On moisit, bien-aimé. On devient bizarre. Quelqu'un qui passe le désert, bien-aimé, même son teint s'abîme parce que la chaleur est tellement très, très forte. Bien-aimé, c'est ainsi qu'il y a des moments de la vie, tu peux mettre du maquillage, tu peux tout mettre. Les choses n'avancent pas. Les gens se moquent de toi. Hey, regarde comment elle est devenue. Bien-aimé, ne t'étonne pas. Tu ne fais que traverser le désert, mais tu n'habites pas les déserts. Bien-aimé, tu vas dans les territoires là où coule le lait, quoi, et le miel. Bien-aimé, imagine quand tu arriveras, tu te laves avec du miel. Hein, bien-aimé, tu te laves avec du lait. Bien-aimé, tu remplis ta bassine avec du lait. Pendant qu'en Afrique, beaucoup de gens mettent du lait comme prestige, mais toi, tu te laves avec le lait. Bien-aimé, ta peau sera douce.
ton temps sera exceptionnel. C'est ainsi que quand je passe le désert, bien-aimé, attends, bientôt je vais me laver dans le lait. Est-ce que quelqu'un comprend aujourd'hui? Ah, toi qui me regardes de loin, regarde comment il est devenu. Il y a des gens, bien-aimés, qui ont mis des jumelles pour nous regarder de loin. Toi, tu penses que tous ceux qui t'abandonnent là ne te regardent pas. Ils te regardent de loin parce qu'ils veulent voir quelque chose. Ils ont des jumelles. Hey, qu'est-ce qu'il est devenu? Bien-aimés, ils vont me voir en train de sortir dans une Lamborghini. Il dit, non, ce n'est pas lui, je pense que je n'ai pas bien vu. Bien-aimé, tu vas utiliser la deuxième fois, tu me vois dans une Ferrari. Oh, comment il a changé? Il en a beaucoup, comment? Bien-aimé, tu n'as pas encore vu. Quelqu'un attend aujourd'hui. Ah, dis à ton voisin, tu n'as pas encore vu. Bien-aimé, tu n'as pas encore vu. Bien-aimé, l'heure est arrivée pour que Dieu dérange le cœur de ceux qui cherchent notre malheur. Il faut qu'il soit tourmenté. Vous savez, il y a un aveugle dans la Bible qui était né aveugle. Les gens étaient contents, bien-aimé, de lui donner toujours quoi? Des petites pièces de monnaie. Mais un jour, Jésus passait par là. Quelqu'un me dise alléluia. Bien-aimé, il y a des gens qui marchent avec Jésus, mais qui sont aussi des médisants. Des gens qui ont la médisance. Écoute les apôtres. Hein? Jésus, cet enfant-là, il est aveugle. Peut-être ses parents ont fait des péchés. Jésus, oh, mais vous, vous parlez tout. Quand vous voyez un premier, tu dis le péché. Il a dit, il est comme ça pour la gloire de qui? De Dieu. Bien-aimé, d'autres situations, Dieu laisse arriver, ce n'est pas parce que tu as péché. C'est parce que Dieu veut manifester sa gloire. Pour montrer à d'autres personnes que non, quand vous pensez c'est fini, mais moi je peux commencer une histoire. Pour vous montrer que là vous pensez il y a l'impossible. L'impossible, ça n'existe pas dans le vocabulaire de Dieu. Bien-aimé, Dieu est le dernier verbe qui existe possible. Alléluia. Alors il a fait de toi le produit de la dernière technologie de Dieu. Bien-aimé, tu es la cartouche qui restait sur dans le pistolet de Dieu. Lorsque Dieu libère cela, ça bombarde la cible. Quelqu'un attend ce que je dis. Ah, bien-aimé, tu es l'outil de l'invention de Dieu. C'est ainsi que quand Dieu créa toutes choses, parce que tu es une invention extraordinaire, Dieu dit maintenant, faisons l'homme à notre quoi? Image. Mais quand il créait toutes choses, il n'a pas dit faisons. Mais quand il a voulu te créer, Dieu a dit quoi? Faisons. Il a consacré son âme. Il a consacré son esprit. Il a consacré son être. Il a dit, ça c'est le sérieux. Dis avec moi, je suis la créature du sérieux de Dieu. Aïe, aïe, aïe. Personne ne comprend. Bien-aimé, tu es la créature du sérieux de Dieu. Quand Dieu prend le sérieux, c'est alors qu'il te crée. Mais quand il crée un animal, il n'a pas pris du sérieux. Il a dit simplement que les animaux poussent. Et quand il a fait les arbres, bien-aimés, il n'a pas fait avec les cerisiers. Il a dit que la terre donne les arbustes, donne des vers, des feuilles, donne tout ça. La terre donne. Mais quand il a voulu te créer, il dit, faisons l'homme à notre quoi? Image. Il a dit, maintenant les choses sérieuses commencent. Dis, ma vie, c'est les choses sérieuses. Je déclare avec moi. Alors, qui es-tu pour venir jouer avec une vie que Dieu a pris du sérieux? C'est ce que ne laisse personne jouer avec ta destinée. Parce que Dieu a pris du sérieux pour te créer. Amen. Dieu a pris du sérieux et toi tu viens. Et toi, qui toi? Amen. Un Dieu qui siège dans le lieu céleste. Pour me façonner, il a consacré son temps. Il a pris du sérieux. Il a voulu que les sérieux n'écrit même pas. Parce que je vais créer papier. Même les lions étaient calmes. Il dit, maintenant on veut créer l'homme. Non, on ne peut pas bouger. Les feuilles ne bougeaient plus. Bien aimé, les manguettes demandent de s'y tourner. Toi, tu peux bouger. Il dit, chut. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Et quand tu parles de ma vie, bien aimé, je te dis, chut. Que Dieu te bénisse. Amen. Tout celui qui parle de moi, je te dis, chut. Parce que c'est le temps du sérieux. Où Dieu veut me façonner, bien-aimé. Ta vie, c'est quand Dieu façonne avec les sérieux. Et qui est celui-là qui veut mettre des bruits concernant ta vie? Oh, lui-là, il le doit. T'es qui? Reste. Parce qu'il a dit, faisons maintenant qui? L'homme. Dis à ton voisin, je suis la consacration de Dieu. Et quand un Dieu se concentre, c'est qu'il veut faire quelque chose de sans défaut. Imagine. Quand Dieu se concentre, bien-aimé, c'est qu'il veut réaliser quelque chose qui était vraiment dans son plan idéal. C'est que c'est la finalité des choses qui va réjouir son cœur. Parce qu'il ne pouvait pas prendre le repos tant qu'il ne t'a pas créé.
Dieu s'est reposé quand il a fait toi. Après toi, Dieu a créé personne. Parce qu'il a trouvé, j'ai réalisé ce qui était mon souhait. Tu es le souhait de Dieu. Et personne ne doit te faire quoi autre chose. Je n'existe pas par accident. Je ne suis pas arrivé ici, bien-aimé, parce que Dieu m'a oublié. Je suis arrivé parce que Dieu sait. Ta mère et ton père t'ont eu par accident. C'est toi qui l'as dit. Dieu avait pris ses dispositions pour que je vienne. C'est ce que je disais à ma mère. Des personnes comme moi n'avortent pas parce qu'il y avait des dispositions. Amen. Tu m'avortes, c'est toi qui pars, mais moi je commence à grandir même là où tu m'as jeté. Amen. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, quelqu'un comprend cela? Amen. Ah oui, hein? Parce qu'on ne peut pas avorter quelqu'un qui a déjà pris des dispositions. On a tué tous les enfants qui sont nés à l'époque de Moïse parce que Dieu avait pris des dispositions pour Moïse. Qui a porté la main à Moïse? Mais Dieu amène Moïse dans la maison des gens qui sont des criminels. Vous imaginez ça? Dans, là où il y a l'ordre de les tuer, lui il rentre là-bas. C'est là où on devait les tuer, encore mieux. Mais parce que Dieu avait pris des dispositions, j'ai dit à tout sorcier, je mangerai ta nourriture, je rentrerai chez toi, tu vivras de côté, mais Dieu avait là pris ses dispositions. Parce qu'il y a des fois des sorciers, je suis là, je veux. Tu vas bloquer qui? Amen. Il était à côté de Jésus. Jésus a dit c'est un démon. Mais Jésus est venu mourir pour les gens. Vrai ou faux? Amen. Il a tout fait pour dérouter le destin. Mais il ne savait pas, tu peux être là. Mais Dieu avait déjà pris sa dispositions. Quelqu'un attend ce que je dis. Amen. Je parle aux sorciers d'Orléans. Je parle aux sorciers de la France. Je parle aux occultistes, aux magiciens. Je parle aux infiltrés dans nos églises. Je parle aux jaloux. Tout ce que vous pouvez faire, Dieu avait déjà pris ses dispositions. Bien aimé, je vous avais dit que cette année, j'attaque même quand tu ne m'attaques pas. Parce que mes armes ne sont pas là simplement pour se défendre. Et alors les armes pour attaquer, je vais utiliser ça quand? Il faut que j'essaye ça. J'essaie un peu de tirer hein, pour savoir la force de ton âme. J'aime les Américains. Quand ils créent une arme, il faut qu'ils provoquent la guerre quelque part pour essayer. Ils vont dire, oh, Kadhafi a des choses pour essayer les armes un peu, si ça marche. C'est un système. Alors moi aussi, j'essaye mes armes. Je tire partout. Les sorciers d'Orléans, écoutez-moi, vous me regardez à live, je suis content. Et puis ça restera, bien-aimé. Ça sera même à YouTube. Regardez-les, je vous dis. Il a déjà pris ses dispos. Oh mon Dieu, mon roi, j'aime. Il dit ici, quand on est de l'esprit et de l'eau, il dit on est comme le vent. Il dit, le vent souffle. On attend simplement les bruits. Mais on ne sait d'où il vient et où il va. On ne sait pas. Il dit, tels sont les hommes qui sont nés de l'esprit. Tous ceux qui sont nés de l'esprit, comme moi, comme toi, si, entre guillemets, vous n'êtes pas confirmé pour ta, à ta place. Mais bien aimé, la Bible dit, nous sommes les vents qui soufflent. Les gens attendent simplement les bruits. Mais ils ne savent pas d'où nous venons et où est-ce que nous allons. Tu m'as rencontré, tu fais ce que tu sais. Et ce que tu veux, mais là où je veux, tu ne sais pas. C'est ce qu'on a constaté dans la vie, bien-aimé. Les gens peuvent parler de ton passé, peuvent parler de ce que tu es, mais n'arrivent pas à parler de ce que tu deviendras. Parce que là où je vais, personne ne connaît. Aïe, aïe, aïe. Bien-aimé, je vois le système des hommes qui ont mis des panneaux pour faire la signalisation du vent. Et quand le vent vient de ce côté, ça signale que le vent vient de ce côté. Mais là où ça va, ils n'ont pas dit ça va s'arrêter où. Il faut qu'ils nous disent aussi. Le vent là qui est venu de côté de Fleury, ça va s'arrêter, ça va partir jusqu'à Lyon et ça s'arrête à Lyon dans les centres-villes. Ils ne disent pas. Parce que, bien aimé, là où je veux, personne ne peut bloquer ma vie.
Pasteur Papi, je le connais. Oh, oui, c'est mon oncle. Le prophète peut dire, oh, ça c'est mon oncle, on se connaît. Oh, écoutez, il est comme ça, et tout ça. Oui. Alors, Pompon, comment il sera? Ah, ça c'est bien. Pourquoi il n'arrive plus à parler? Parce que là où je vais, personne ne sait. Je sais que, bien-aimé, ne joue pas avec une personne qui est née de l'esprit. Parce que celui qui est né de l'esprit, bien-aimé, tu le vois avec la peau, mais il n'est pas ce que tu crois. Il est quelqu'un d'autre. Parce que ne mets pas de points dans la vie de telle personne. Parce que c'est une personne qu'on doit mettre que des virgules. Dis à ton voisin des virgules. Même s'il passe le temps dans ton salon, tu l'appelles Salomon, mets une virgule. Parce que tu ne sais pas où est-ce qu'il va, sa destinée. Il est du vent. Quelqu'un attend aujourd'hui. Amen. Oui, il est arrivé, il était logé chez toi. T'as mieux. Réjouis-toi de loger un homme qui est né de l'esprit, qui est de pouvoir se moquer et de blaguer avec lui. Eh, lui, qu'est-ce qu'il peut dire? Quand on était, c'est moi qui l'ai fait comme ça. Réjouis-toi d'avoir fait du bien à un homme de l'esprit. Bien-aimé, quand on fait du bien à Christ Jésus, on ne doit pas dire c'est moi qui ai fait comme ça à Jésus. On se réjouit de faire du bien à qui? À Jésus, parce que c'est un homme de l'esprit. Il a dit, il en est ainsi de l'esprit. Ils sont comme le vent qui souffle, bien-aimé. Et personne ne peut empêcher ça de souffler. Bien-aimé, quand le temps de ta destinée arrive, personne d'autre peut empêcher ce que Dieu veut dans ta vie se réaliser. Qui que ce soit, quel que soit ce qu'il voudra dire, bien-aimé, quel témoignage qu'il amènera? Ils ont amené de faux témoignages devant les rois Nebuchadnezzar contre Shadrach, Meshach et Abednego. Ils ont voulu finir avec Shadrach et Meshach et Abednego. Mais ils ne savaient pas que Dieu avait déjà pris des dispositions pour ces gens-là. Quel que soit, vous les mettez dans les faits, à la fin des comptes, le roi deviendra leur fan. N'empêche quelqu'un à aimer ta soeur, à aimer ton frère, à aimer ton pasteur, à aimer cette église. Parce que, bien aimé, tu ne fais rien du tout. Tu te fais du mal et tu fais ta honte. Quelqu'un entend ce que je dis? Amen. Est-ce que je suis en train de réveiller quelqu'un dans cette, dans mon discours? Bien aimé, prenons 115 du livre des Psaumes, le verset 16. Je veux qu'on lise ça. Nous nous laissons avec... Bien aimé, fais-moi un peu les ailes comme ça. Fais-moi les ailes, je me laisse aller. Je me laisse vraiment. Bien aimé, étant. Ah, bien aimé, sois souple. Aïe, aïe, aïe. Toi, la parole ne t'emporte pas. Mais je ne sais pas si tu, quel jour la parole va t'emporter dans la vie. Hein? Tu es lourd comme une pierre, un caillou qui tombe dans l'eau. Oh là là. Mets tes bras comme ça, bien aimé. Oh, l'orgueil te tuera. Hein? Oh, je comprends. Toi, tu es un canard. Voilà, je comprends. Dans l'église, on a des canards, on a des pigeons. Tu n'as même pas des ailes. Oh là 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 là. Toi, quand je te regarde, je me pose laquelle. Tu n'es pas chauve-souris ou quoi? Parce que je ne comprends pas ta forme. Mais le psaume 115, le verset 16, on y va. Je vais lire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Les cieux sont les cieux de l'Éternel. Les cieux sont les cieux de l'Éternel. Mais il a donné la terre. Au fils de l'homme. Au fils de l'homme. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Aïe, aïe, aïe. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe ici. Peut-être que toi, tu ne comprends pas. Il y a l'atmosphère de l'esprit ici, bien-aimé. Le Saint-Esprit est avec nous. Mais toi, tu ne comprends pas. Quand le Saint-Esprit amène les gens comme ça, je sens sa présence. Cette parole est venue délivrer quelqu'un. Il suffit simplement de lui donner un espace dans son cœur. N'attends pas mon imposition des mains. La puissance de cette parole qui vient directement du trône, ça coule comme de l'eau dans ma bouche. Bien-aimé, tout ce que j'ai lu, si tu viens devant moi ici, il n'y a aucune faille. Donc ne pense pas que j'ai les versets que je vous donne, parce que ça coule dans ma tête. Ça coule dans ma tête. Donc Dieu veut faire du bien à une personne, mais c'est que je suis désolé, et tu viens dans l'église comme une habitude. Bien-aimé, viens, ne viens pas comme une habitude. Je connais une femme dans la Bible qui avait l'habitude de monter à Silo parce que toute la famille allait prier. Elle allait avec sa rivale qui s'appelait Penina et les enfants de la rivale et son mari qui, Elkan.
Mais à chaque fois qu'ils montaient tous sur, sur la montagne de Silo, elle priait, dit, Seigneur, donne-moi un enfant. Cette femme n'avait pas l'enfant parce qu'elle montait à Silo par habitude. Et quand elle rentrait toujours, elle pleurait des mortifications de sa rivale. Sa rivale se moquait d'elle tout le temps. Bien-aimé, les choses ne changent pas dans nos vies parce que nous prions Dieu par habitude. Cette femme a souffert longtemps à cause de l'habitude. Et la rivale l'a mortifiée à cause de l'habitude. Mais un jour, elle a dit, je vais cette fois-ci monter à Silo. Je ne monte pas avec tout le monde, je monte seul. Je veux que tu voies que tu n'es pas venu parce qu'il y a ta fille à côté, il y a ton frère à côté, il y a les frères qui sont venus avec toi dans la voiture à côté. Du seul. Je ne suis pas venu pour quelqu'un. Je suis venu pour moi. Et cette femme a décidé de monter seule ce jour-là. Parce qu'elle a dit, non, je ne vais pas aller toujours à l'église par habitude. Je vais aller autrement aujourd'hui. Ce jour, elle arrive en train de prier, bien-aimée. La Bible dit, même les sacrificateurs, les pasteurs, a eu des mauvaises pensées sur elle. Elle dit, elle a beaucoup bu. Ça, c'est Pelfort. Ça, c'est les boissons russes. Qui lui fait beaucoup parler. Elle vient dire à la madame, maman, le pasteur n'a pas retenu. Elle est venue, maman, jusqu'à quand tu vas pas laisser la bière. Mais, tu sais, du moment où tu cherches à rencontrer Dieu, même ton attitude change. Pourquoi le pasteur est parti nous parler? Mais pourtant, c'est une dame que le pasteur voit toujours venir prier. C'est que le pasteur a remarqué aujourd'hui la prière là n'est pas comme d'habitude. Je veux que, bien aimé, quand tu t'approches de Dieu, que tu ne viennes pas dans cette église comme d'habitude. Que tu ne rentres pas, tu choisis tes chaises comme d'habitude. Non, aujourd'hui, moi je vais mettre là. Non, c'est une habitude. Laisse qu'on te place pour que tu te laisses emporter. Quelqu'un comprend aujourd'hui? Vous avez compris aujourd'hui? On va cette année déployer nos ailes. Laissez les vents nous emporter. Quelqu'un attend aujourd'hui? Ne cherche pas à faire des choses comme tu veux. Tu arrives à 14h et quelques mois, tu veux qu'on sorte juste. Non, laisse-toi, bien-aimé, sois correct. Qu'est-ce qu'on pense là? Bien-aimé, on doit arrêter les habitudes. Cette femme arrête les habitudes. Quand elle a dit au pasteur, tu ne connais pas ce qui se passe dans le cœur de moi, cette femme que tu appelles ivre, l'amertume qui est à moi. Le pasteur a dit, bon, que le Seigneur te donne ce que tu cherches. Bien-aimé, le pasteur a toujours béni l'église, a toujours dit que le Seigneur vous bénisse. Mais cette femme est rentrée toujours sans enfant. Mais les jours que la femme est venue différemment, la parole du pasteur a donné un effet. A dit que le Seigneur te donne ce que ton cœur cherche. La femme est rentrée directement. Bien-aimé, la grossesse entre. La rivale insulte, mais le retard, ça devient maintenant un mois, deux mois, trois mois. Bien-aimé, comme la grossesse ne recule pas, ça va toujours avant. Hein, diacre? Ça ne recule pas, n'est-ce pas? Ça va toujours avant. Dieu qui connaît notre dialogue là. Toujours. Ça, c'est ma caméra. Ok. Ça va toujours avant. Malgré ça, comme ça va avant, la rivale commence à. Non, elle a mis des papiers. Vous autres là, vous mentez pour que le mari vous aime. Bien aimé, il y a des gens qui vont dire que tu mens quand le Seigneur va commencer à faire quelque chose dans ta vie. Bien aimé, il y a des gens qui vont commencer à dire, c'est son cousin, c'est pas son mari. Le garçon là, je connais là, lui il est connu avec Macron, il peut sortir avec lui, n'importe quoi. Ils ont seulement pris la photo. Tu vas souffrir, toi. Bien aimé, tu vas quoi? Souffrir. Tu repasseras toujours dans mon Facebook pour regarder quoi la photo. Bien, est-ce que ce n'est pas... Ce n'est pas Photoshop, on n'a pas collé. Bien aimé, tu vas souffrir. Parce que quelque chose entre. Dis à ton voisin, quelque chose entre. Quelque chose entre. Quand on vient différemment à la rencontre de Dieu, quelque chose quoi? Entre. Mais quand on vient par habitude, bien aimé, on sort aussi par habitude. On continue à pleurer. Quand elle sortait, elle continuait toujours quoi? À pleurer aussi. Mais elle allait à l'église. Après, on peut dire quoi? Dieu n'agit pas. Non, ce n'était pas Dieu, c'était ta habitude là. Dieu, on n'a pas à s'habituer avec Dieu. Dieu a des systèmes qu'il fait qu'on ne peut pas saisir. C'est ce qui fait de lui Dieu. Si on comprend Dieu, il n'est plus Dieu.
Il est Dieu parce qu'on ne peut pas le saisir. Toi, tu veux le comprendre comment? C'est qu'il n'est plus Dieu là. Quand tu comprends un Dieu, c'est que tu peux le bloquer. Il n'est plus Dieu. C'est ce que bien aimé, moi d'habitude, Dieu me fait ça. Non! C'est que ce n'est plus Dieu. Lui, il me dit, moi je connais, moi avec Dieu, on fait comme ça. Avec Dieu, vous faites comme ça. Quel est ce Dieu-là que toi tu maîtrises comme ça? Il n'est pas le volant de ta voiture, ton Dieu-là. Il n'est pas la vitesse de ta voiture. Non, moi je sais quand je mets deuxième, troisième. Dieu ne le met jamais deuxième, troisième. Il fait des choses même là où on n'entend pas, bien-aimé. Il agit même là où on ne peut pas penser. Et il se manifeste au moment où on ne peut pas imaginer aussi. Il y répond à qui même les gens ne peuvent pas, quoi il peut répondre. Il a scandalisé les gens par rapport au collecteur de pots qu'on appelait Zachée. Les hommes saints disaient que ça c'est un voleur, c'est collecteur des impôts, il vole les gens, c'est un voleur des impôts, lui là, ce type là. Mais ils n'ont pas compris, quand Jésus est arrivé là où il était, Jésus s'arrête. Il dit Zachée descend, je vais manger sur toi. Toi tu viens manger sur lui, tu ne le connais pas. Alors si je ne le connais pas, c'est votre problème, je vais manger là-bas. Il fait des choses qu'on ne peut pas les comprendre. On les voit par là avec des bien-aimés, des femmes bien-aimées de mauvaise vie. On se pose la question, oh, mais lui, s'il était vraiment froid de dire, c'est comment il ne connaît pas cette fille-là? Mais la fille-là, c'est la fille de Bourgogne. On la voit dans les bois de Boulogne là-bas. Mais comment Jésus est avec lui? Ah, Jésus-là, ça, c'est pas bon Jésus. Hein? Ce n'est pas question de bon Jésus. On ne le maîtrise pas. Dis avec moi, on ne le maîtrise pas. C'est ainsi qu'approche auprès de lui pour que quelque chose se passe. Ne viens pas parce que tu as l'habitude. Ah, j'ai l'habitude de partir à l'église. Et à cette heure, il y a, oui, ils font l'intercession. Je prends le bistrot. Ça s'arrête à telle heure. Comme ça, j'arrive à 12h15. Hein? Tu fais Dieu avec habitude. Tu vas toujours rentrer aussi en pleurs. Est-ce que tu comprends, Ferrand? Hein, Ferrand? Hein? Pas que le dimanche. Ne fais pas de ton Dieu, c'est mal le Dieu dimanche. Quand tu vois ton frère venir même de la semaine, dis, amène-moi. Mais Dieu ne le cherche pas, là, quoi, dans l'habitude. Ah oui, parce que le dimanche, on vient tous ensemble. Non, bien-aimé, ce jour-là, la femme a dit, on ne va pas aller tous ensemble, je vais aller toute seule. Alléluia. Parce que tout ensemble, là, ça charge. Je vais essayer maintenant toute seule. Ça, je disais aux soeurs. Je ne disais pas aux frères, tout seul, c'est les frères, toute seule, c'est les soeurs. On y va. Je vais faire ça toute seule, les soeurs. Toute seule. Même si tu es monté dans la voiture avec ta soeur, mais toi tu vois que je vais à l'église pour moi. Tu vas à l'église pour moi. Et comment les disciples à la main, il y a d'autres qui mettent des choses dans le monde. Et tu connais Kofi, fais comme si je ne suis pas avec toi. Moi, je suis concentré pour ce que j'ai fait. Alors écoute, la Bible dit soit, je vais partir à ma fin, écoutez. La Bible dit, les cieux sont les cieux de l'Éternel. Ah non. Bien aimé, répète avec moi, il a pris ses dispositions. Non, bien aimé, tu parles avec douceur comme ça, tu es fatigué. Non. Alors dis fort, non? Il a pris ses dispositions. Bien aimé, quand tu parles, tu regardes quelqu'un avec fierté. Il faut le parler avec assurance. Bien aimé, la fierté n'est pas un péché, c'est l'orgueil qui est un péché. La fierté, c'est la dignité. C'est la valeur, c'est la confiance de soi. Quelqu'un entend aujourd'hui. C'est le fait d'avoir confiance en toi, ça te donne la fierté. C'est ce que d'autres personnes, quand ils... parce que papy, il est fier, hein. Hé, quel homme de Dieu. Mais la fierté n'est pas un péché. Je suis fier parce que j'ai la dignité de ce que je fais. J'aime ce que je fais. J'ai la confiance de ce que je fais. Et je suis fier de ce que je fais. Bien aimé, et je suis fier de moi de connaître Jésus. Alléluia. Mais l'orgueil, c'est un péché. Alors sois fier de ce que tu es. Bien aimé, dis à ton voisin, il a pris ses dispositions. Il a pris ses dispositions. J'ai aimé ce que Marceli qui a fait avec fierté. Il a pris ses dispositions. Les autres parlent comme si, puis le médecin, ça fait 2 jours que tu n'as pas mangé. C'est comme si tu dis, vous savez, Naomi, depuis qu'elle est arrivée, elle ne faisait que même à louange, je faisais tout voir. Et puis tu oubliais de mettre la main. Je t'ai regardé pour mettre la main, mais quand tu vois, tu changes de visage. Après quelques temps, on dit, les matins comme ça. Moi j'ai dit, mais Djibril a un problème. Hein? Une femme qui commence à bailler le matin, c'est que la provision finit tout.
Alléluia. Amen. Tu vois que je te voyais, malgré que j'étais derrière. Je te voyais. Moi, quand je suis à l'église, je regarde tout le monde. Si je suis un papa, il faut que je sache ce qui se passe dans l'attitude de chacun. J'étais là-bas et pensais que Christ me cachait, mais pourtant je voyais. Elle a fait ça beaucoup de fois, plus. Oh, avec tes gens. Me dit, oh! On n'est pas le même, c'est de mettre au champ. C'est le vent qui souffle. C'est le vent qui souffle. On le sait d'où ça va. Donc là, on se voit là, ah, ça va, on ne le sait même pas. Mais, ah, toi, tu as, avant même que je prie, tu as déjà commencé à libérer les vents. Tu es forte, toi. Tu es prophétique, en tout cas. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Et que je parle dans les conflits. Yes. La Bible dit, les cieux sont les cieux de l'Éternel. Les cieux sont les cieux de l'Éternel. Mais la terre, il a donné aux humains. Oh, mon Dieu. Maman est... Donc, comme je suis sur la terre, je suis un prince. Bien-aimé, qui est ce préfet qui m'a mis ici en France? Quand Dieu m'a dit, il ne m'a pas dit, il m'a donné le Congo. Lis bien. Est-ce que vous lisez bien? Il n'a pas dit, il m'a donné la Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il a dit ça? Non, peut-être mes lunettes, ça montre plus bien. Il n'a pas dit que non. Je t'ai donné que la France. N'a pas dit que je t'ai donné Burundi ou Angola. Non. Il a dit que je t'ai donné la terre. Père, mais tu ne comprends pas ta dimension. Tu trembles devant un pompier qui fait waouh, waouh, tu cours. Tu penses que c'est la préposition. C'est toi le maître de la terre, mais tu cours devant. Les gérophares et tout ça. On te dit simplement, tu vas rentrer chez toi. Je vais me jeter. Tu vas te jeter, pourquoi? Il t'a donné quoi? La terre. Je comprends ce que je dis. Amen. Dieu nous a donné la terre. Je sais, les renseignements généraux suivent ça, parce qu'ils me convoquent souvent. Je suis beaucoup convoqué au renseignement général. Je suis beaucoup de fois parti là-bas et vous le savez. Il y a plusieurs fois mon nom chez vous. Mais je voudrais que vous entendez. Celui que vous convoquez des fois, par rapport à tout ce que vous me posez des questions, je n'ai pas étalé ça ici. Il vous dit que Dieu lui a donné la terre. J'ai dit, j'utilise mes armes aussi pour attaquer. Écoutez, les gens qui n'ont que des petits pistolets, là ils cherchent des problèmes. Oui, c'est normal, tu n'as pas des armes sophistiquées. Les Américains attaquent partout parce qu'ils savent qu'ils ont des outils très forts. Et quand tu n'as pas des armes comme l'Angola et comme le Congo et tout ça, par rapport aux Américains, un Congolais, un Angolais ne peut pas attaquer les États-Unis. C'est que toi-même, tu veux mourir. Quelqu'un attend aujourd'hui. Mais l'Amérique entre partout. Quelqu'un attend aujourd'hui. Parce qu'ils ont des armes quoi? Efficaces. C'est ainsi que moi, j'utilise mes armes. Dieu nous a donné la terre, c'est que partout que je dois aller, je dois me considérer le prince de cet endroit. Quelqu'un comprend ce que je dis? Bien aimé, si nous échouons et nous souffrons dans beaucoup d'endroits, parce que nous regardons ce que nous voyons et nous croyons à ce que nous voyons, que de quoi à ce que la vérité a dit. La France que tu marches, ça fait partie de la terre. Vrai ou faux? Si M. Macron va me dire, papy, la France fait partie de l'espace, là où, comme c'est l'espace, c'est déjà le ciel, c'est que je n'ai plus le droit de parler de ça. Mais aussi longtemps
Je pose mes deux pieds sur terre ici en France. La France m'a été aussi quoi? Donnée. Ça fait partie de la terre. Et là, il y a le silence. Et j'ai dit, hey, tu cherches des problèmes, tu vas sortir comme ça, tu attrapes, tu rentres chez toi. Après, tu vas dire quoi? En plus, c'est filmé, moi, je ne dis rien. On va commencer à dire, toi, tu étais là-bas. Alléluia. Bien aimé, vous, on vous filme le dos, ne les tapez pas. Surtout là, toi, tu réponds avec tes mèches. On va savoir, madame, tu avais les mèches. Mais ceux qui ont des cheveux noirs, vous passerez bien? Moi, je ne passe pas. Vous me reconnaissez. Non, on va passer que c'est les frères parents. Il y aura la confusion. C'était les frères parents ou c'était toi? Vous aurez un peu la confusion, vous deux. Mais, toutefois, on va vous attraper, vous définir simplement. Parce que dans cette église, on a vu deux têtes pareilles, vous là. Ça doit être foudé. Vous n'aurez pas des explications. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, mais c'est moi qu'on me regarde bien en face avec mon épouse, avec cet enfant. Mais, écoutez. C'est-à-dire, même si on me fait déplacer d'ici, on m'amène en Angola. La raison pour laquelle Deutéronome nous dit, Dieu te bénira dans la ville et il te bénira aussi dans la campagne. Parce qu'il sait que tout lieu qu'on va t'amener, même si on t'amène dans une campagne, tu seras béni. Parce qu'il t'a donné quoi? La terre. Vous voyez, bien-aimé, que Dieu avait pris des dispositions déjà pour nous. Alors, qui es-tu pour me faire quitter la terre pendant que Dieu m'avait déjà donné la terre? Qui es-tu de décider pour ma fin, pour ma mort, même si tu es le grand sorcier du village? Tu as mangé le coco vilimutumu, tu veux me manger? Tu manges la tante Soukali, tu veux manger maintenant tout le monde? Tu as mangé, Dieu les a été donnés. Et si tu veux blaguer avec moi, c'est moi qui te fais quitter la terre. Tu récompenses ce que je dis. Je voudrais bien aimer que tous ceux qui nous menacent, on a le pouvoir de les faire déloger sur la terre. Parce que Dieu nous a donné la terre. La Bible dit tous ceux qui sont nés de l'esprit sont du vent. Si je suis le vent, je peux arrêter ton souffle parce que tu respires mon vent. Quelqu'un attend ce que je dis. Il a pris des dispositions pour me rendre heureux. Et il a pris des dispositions pour te rendre béni. Amen. Quelqu'un attend ce que je dis. Amen. Mais vous avez remarqué, il m'a même empêché de descendre là-bas. Bas. Je ne sais pas pourquoi. Il m'a dit, tu dois rester ici. Je n'avais même pas les tensions. Je ne pensais même pas que je suis resté longtemps ici. Ah, parce qu'il a dit, ce n'est pas les habitudes ici. Amen. Tu dois fonctionner, tu dois laisser comme ça. Bien-aimé, mon pépé. Je vais finir pour manger la table aujourd'hui avec joie. Parce que cet homme a pris des dispositions. Je connais une femme, bien-aimée, de la Bible, qui avait changé sa situation. Et cette femme s'appelait une veuve. On n'avait pas donné son nom, mais on a dit c'est une veuve à Sarepta. Sarepta était une ville. Et elle est marquée par cette appellation, la veuve de Sarepta. Elle est devenue référence de Sarepta. Et c'est par elle que la Bible a parlé de Sarepta. C'est le jour suivant qu'elle allait mourir avec son fils. Mais comme Dieu avait pris des dispositions pour que cette femme vive longtemps, Dieu prend un de ses serviteurs qu'on appelle Élie. Il dit, va à Sarepta, tu vas rencontrer une femme en train de ramasser du bois. Vas-y, loge-toi là-bas et elle te fera nourrir. Mais la femme voit un homme arriver. L'homme lui demande d'abord de l'eau, la femme lui donne de l'eau. Et l'homme lui dit après, fais-moi manger. Il dit, ah, je n'ai qu'une poignée de farine et un peu d'huile pour faire simplement un morceau de pain. Je mangerai avec mon fils, après quoi nous mourrons. Et il dit, prépare-moi d'abord.
Bien-aimé, il nous arrive des fois de penser vivre par nous. Nous devons laisser cette habitude parce que Dieu a pris des dispositions. Pensons d'abord à Dieu parce que le reste, il a dit, ne te soucie pas du lendemain. Le lendemain prendra soin de lui-même. Et il va plus loin, il dit, le lendemain appartient à Dieu. Contacte-toi de l'aujourd'hui parce qu'aujourd'hui c'est à toi. Des dispositions que cette femme ne va plus mourir et ne va plus souffrir dans sa vie. Je sens dans ma tête que le Seigneur me parle des personnes qui ont des dossiers bloqués peut-être administrativement. Je sens dans ma tête que Dieu me dit des personnes qui ont des soucis très graves par rapport aux problèmes quelconques. Pendant que vous vous souciez, Dieu vous dit arrêtez simplement les habitudes. Il a déjà pris des dispositions pour vous consoler. Arrêtez les habitudes quand vous venez dans ce temple. Arrêtez ça, parce que lui, il a pris des dispositions. Ne me dis pas, parce que tu ne sais pas où est-ce que ça arrivait mon dossier. Je n'ai pas besoin. Je dis simplement, bien-aimé, ça c'est une réalité que tu vois. Mais quoi la vérité qui sonne dans ton cœur maintenant? Amen. Que ton Dieu est capable de faire quelque chose que tu n'imagines pas. Je n'ai pas besoin de te poser la question ou que tu viennes à mon bureau pour m'expliquer, papa, j'ai ceci. Bien-aimé, le message d'aujourd'hui est venu vous dire, oubliez un péché que vous pensez me rencontrer pour me dire que vous en avez. Croyez d'abord à ça et après on verra d'autres choses. Croyez d'abord à ça parce qu'il y a des dispositions qui ont été déjà prises. Celui qui a pris des dispositions est plus que Trump. Et plus que Macron, et plus que Tshisekedi, et plus que, bien aimé, tous les présidents de la terre, et plus que tous les hommes riches. Il s'appelle Yeshua HaMashiach. Il a pris des dispositions pour consoler ton cœur. Et il t'a donné cette terre, non pas pour que tu souffres, pour que les autres personnes règnent et que toi tu les acclames. Non, je ne crois pas à ça. Il ne t'a pas amené ici pour être le fils d'honneur des autres pendant que les autres se marient, non, et toi tu ne te maries pas. Il ne t'a pas amené ici pour organiser des danses des filles qui vont danser dans les mariages des autres pendant que toi, personne ne danse dans ton mariage, toi on te fait seulement des grossesses gratuites. Non, il ne t'a pas amené ici, bien-aimé, pour simplement commencer à féliciter les gens et conduire déjà dans leur voiture. Quand il a dit, viens, conduis-moi, dépose-moi, il te donne 5 euros. Non, il ne t'a pas fait chauffeur des autres, il t'a fait conducteur de ton propre véhicule aussi. Bien-aimé, tu dois voir ça. Il ne t'a pas simplement créé pour que tu vives dans les maisons des cousins, des oncles, des tantes, pour sauter de gauche à droite. Il t'a créé pour être aussi propriétaire de ton appartement. Bien-aimé, il ne nous a pas créé simplement pour être quoi? Des locataires pour payer nos loyers chez les autres. Il nous a créé aussi devenir des propriétaires et avoir des immobiliers pour loger sur les autres, faire louer les autres. Bien-aimé, on ne doit pas rester sur cette terre que Dieu nous a donnée pour simplement subir les conséquences de la vie. On doit aussi vivre. Quelqu'un entend ce que je dis. Là, je parle. Le Seigneur attend aussi ma manière de parler. C'est comme une demande. C'est comme un cri d'alarme. C'est comme un souci. C'est comme des prières. S'il nous a donné la terre, il doit aussi se réveiller, nous donner des choses en possession. Je veux que Dieu comprenne cela. Je veux que France pour Christ qui m'attendent, mais ceux qui nous suivent, qui se révoltent, bien-aimés. Nous avons droit. Je vis au Congo. Les peuples disaient à Tshisekedi, papa avait dit le peuple d'abord. Alors, nous aussi, on dit à Jésus, papa avait dit le peuple quoi d'abord. Parce que la raison pour laquelle tu es venu mourir pour nous, le peuple est d'abord. Et que Jésus doit s'en souvenir de ça. Il n'est pas venu pour autre chose parce que Dieu voulait avoir un peuple pour lui. Alors, il doit faire quelque chose pour nous. Est-ce que quelqu'un peut me dire que Dieu a pris des dispositions? Yeah. Je regarde France pour Christ. Je dis à Dieu, tu nous as donné la terre et tu dois prendre tes dispositions. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Pour votre édification spirituelle, suivez des puissants témoignages, des puissantes prédications, des puissantes prières en live, des émissions chrétiennes, des clips top gospel. Abonnez-vous dès maintenant sur notre nouveau compte YouTube Casarema Satellite. La Bible dit que vous devez vous entretenir par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Dès à présent, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Casarema Satellite 2. Vous serez alerté en temps et en heure de chaque nouvelle vidéo. C'est très simple, en un clic, vous êtes abonné. Sa bonté
pour recevoir toutes nos vidéos en temps et en heure sur vos téléphones portables, tablettes, ordinateurs, n'hésitez pas de faire sonner la cloche de notification. Ainsi, vous serez informé en temps réel sur toutes nos publications. Et vous ne raterez aucune de nos vidéos. Casarema, le canal qui te transmet la vie. Casarema, la chaîne qui t'emmène dans la présence de Dieu. Alors, abonnez-vous massivement. Sa bienveillance.